de boy shit. Black song. Et les blancs sont fils partis chercher la vie. Oh, elle prie pour lui. Hey, hey, hey. Elle pense à lui. Putain, faut qu'il réussisse. Yo la famille, comment vous allez? C'est MC Viteritor. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes chers et tendres abonnés vont bien. En tout cas, partage cette vidéo là. Voilà. Faut que je recommence à sensibiliser les fans du coupé décalé. On va dire globalement les fans de la musique ivoirienne. C'est très important. Parce que j'ai remarqué que nous vivons dans un monde de médiocrité. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se plaisent dedans. Et comme moi, je suis l'une des rares personnes sur YouTube qui dit vraiment ce qu'elle pense. Je ne vais pas me gêner encore de revenir sur mes mêmes propos de comme quoi il faut changer les mentalités. Et j'espère que je serai plus explicite du retour de mon générique. A tout à l'heure, famille. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Voilà, dans cette vidéo, j'ai à m'adresser à mon petit que j'admire beaucoup, mon petit grand fan de Bordeaux, qui s'appelle Kaboulé, qui a suivi mon élan de combat sur YouTube pendant la promotion du conseil du 31 mars et tout ça. J'ai un grand message à lui envoyer. Et puis, j'ai aussi à me prononcer sur un clash non dit. Voilà, je sais que beaucoup ont vu. Beaucoup n'en ont pas parlé, maman, je reviens dessus. Vous dites qu'il faut cesser ça. Voilà. Un classe étudiant, en fait. Pour mieux vous expliquer les choses, on va d'abord commencer avec mon petit Kaboulé. Voilà. Mon petit Kaboulé, voilà ce que j'ai à te dire. Je sais que tu es très fâché. Je sais que tu es très déçu comme moi. Mais, de mes fans de Latisse. Parce que j'ai vu ton poste, j'ai lu ton poste, et tu as pleinement raison. Voilà. Il y a des personnes qui l'ouvrent toujours pour parler, comme quoi... nous sommes des faux fans ou bien je sais pas quoi encore. Faut pas les écouter en fait. Ces personnes n'ont même pas le culot de tenir deux phrases ou bien trois ou une minute devant une caméra. Donc elles peuvent se permettre de dire certaines choses. Faut pas regarder ça pour te décourager. Mais en même temps, j'ai une vérité à dire qui va peut-être te choquer, choquer beaucoup d'hommes. C'est que ta vidéo d'hier, je crois d'hier, oui c'est hier, où tu demandais à Latisse de faire un direct comme quoi pour s'excuser. Moi, je peux te dire, je peux te rassurer que tu seras vraiment, vraiment déçu. Tu seras très déçu parce qu'il ne le fera pas. Et même s'il doit le faire, il profitera encore de ce même direct-là pour verser encore certains fans. Donc, faut pas te casser la tête. Bon, tout ce que je peux te demander, tu peux peut-être faire une pause parce que tu es fâché. Tu peux peut-être ignorer Latisse, c'est ton droit. Mais quand on est fan de Latisse, on demeure fan de Latisse. Voilà. Moi, mon authenticité de fan n'a pas changé. Mon amour pour lui n'a pas changé. Mais je suis juste déçu, déçu de ses propos, déçu de sa manière de faire, déçu de comment il voit sa carrière artistique et tout ça, et comment il appréhende même la vie et tout ça en société. Franchement, c'est de ça que je suis déçu. Mais bon, je ne vais pas tout d'un coup devenir fan des DJ Mix, des DJ Arafat ou je ne sais pas de qui encore. Non, je suis fan de Bordeaux, je demeure fan de Bordeaux. Mais jusque-là, aller vouloir supprimer tes vidéos, les vidéos parlant de Bordeaux, je pense que c'est un peu trop fort. Voilà, faut taper l'œil. Je sais que. On dit que les imbéciles ne changent pas. Moi, je suis sûr d'une chose. Je sais que l'artiste n'est pas un imbécile. Même s'il se comporte comme tel, je sais qu'il n'est pas imbécile. Non, ça, à ce moment, je peux mettre ma main au feu pour ça. Un jour, il se ressaisira. Peut-être que nous, on passera à autre chose. Mais on aura fait quelque chose pour que les nouveaux fans, comme on les appelle, bénéficient de cette nouvelle personnalité qu'il va adopter. Mais pour l'instant, moi-même, je suis déçu. Je suis très découragé. Et puis, cela ne changera pas de sitôt. Franchement, je le dis, oui, fort, cela ne changera pas de sitôt. Et puis, dans ma deuxième partie de cette vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi je dis que cela ne changera pas de sitôt. Mais en tout cas, mon petit Kaboulé, moi, je sais que tu es un vrai fan des Bordeaux Likoufa. Voilà, ceux qui te traitent de faux fans, ceux qui te traitent de lâches, ceux qui te traitent de quoi que ce soit, faut les ignorer. Voilà. On verra bien comment est-ce qu'il va se démerder avec ces super fans-là. On verra bien où est-ce qu'il va arriver. Voilà. Parce qu'il faut dire que quand tu es fan, il faut que ton artiste soit toujours. Dans de bonnes grâces pour que toi, fan, tu sois fier de dire que je suis fan de cet artiste-là. Voilà, on n'est pas fan pour être mouton, on est fan pour avoir du plaisir. Voilà, déjà que même au niveau discographique, on n'a rien à nous offrir. La moindre des choses, c'est d'entretenir les relations fan-artiste. Mais si cela est biaisé, c'est pas bien grave. Mais toi, je te demanderai simplement dans cette vidéo-là de vraiment mettre de l'eau dans ton vin et puis de l'observer comme j'ai décidé de le faire aussi. Voilà, moi,
Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, comme certains fans le disent en commentaire, il y a beaucoup d'artistes. Je vais commencer à m'intéresser à ces artistes-là et sans rien attendre en retour. Voilà, parce que ces artistes-là, je défends beaucoup ici et jamais un n'est venu me vexer. Et puis, je n'ai jamais demandé l'avis de quelqu'un d'artiste pour le défendre ou bien pour faire sa promotion. Moi, je dis que je suis un citoyen de ce pays, la Côte d'Ivoire, et comme j'adore la musique ivoirienne et surtout mon coupé décalé, si j'ai un canal par lequel je peux faire la promotion de cette musique-là, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas lésiner sur les moyens, je ne vais vraiment pas me gêner de continuer à faire cette promotion-là. Donc, mon petit Kaboulé, il faut te calmer, ne supprime pas la vidéo et ne t'attends pas à un direct de ton artiste, sinon tu seras très déçu. Et je dis encore, écoutez bien ce que je dis, même s'il le fait, il trouvera des propos pour vexer encore certains fans, dont j'en fais partie, même si on ne mentionne pas mon nom. Ok, donc c'est un peu ça mon petit câble. J'espère que le message est passé. Mets de l'eau dans ton verre. Mets de l'eau dans ton verre. Voilà, c'est que tu es un petit qui est très bien. Tu adores des Bordeaux Ikoufa et laisse les gens parler. Voilà, ils ne savent pas. Il faut les laisser parler. C'est demain, ils vont dire que, ah, on dirait le petit Kaboulé avait raison, ou bien Hériton avait raison. Voilà. Donc, deuxième partie de la vidéo. Tout à l'heure, comme je vous avais dit, comme je vous avais dit, regardez ce petit élément-là, et puis je reviens juste après ça. Regardez, à tout à l'heure. Vous voyez, famille, la différence entre moi et ces derniers, c'est quoi? C'est que moi, quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, même si j'ai honte, il est venu dire que c'est bon. Mais je trouve ça aberrant de penser que être fan, ce n'est pas faire l'apologie des autres artistes ou bien la promotion des autres artistes, mais c'est de dénigrer seulement. Moi, je sais que Arafat, c'est un foutu de merde. On le connaît comme ça. On l'a tous connu comme ça. Et ça n'a pas changé. Toutes les fois que ce dernier-là a eu des routes, je me suis fait le plaisir de lui adresser quelques mots à travers certaines vidéos. Vous savez pourquoi mes vidéos font mal? C'est parce que je ne sais pas dire les mots que les autres disent là. Mais je les résume avec des adjectifs. Les fans des filles d'Arafat savent, mais ils disent qu'ils l'aiment comme ça. C'est un foutu de merde. Mais quand vous, le mec qui fait sortir son morceau, et puis vous voulez le boycotter à travers ces autres choses-là, c'est quoi votre satisfaction en fait? C'est quoi vous recherchez en fait? Vous qui êtes des super fans, comme quoi c'est Didier Arafat qui est la base des divisions dans les coupés décalés. Ok. Mais vous pensez que c'est en voulant faire comme ses fans ou bien en voulant faire comme lui, ça va résoudre des choses? Non, je dis non. C'est un artiste comme des Bordeaux, hein. C'est un artiste comme des Bordeaux. Il est ce qu'il est, mais il apporte beaucoup la musique ivoirienne. Tant que vous allez agir de la sorte, un, le coupé décalé va toujours sombrer. Deux, l'artiste de Bordeaux Likoufa va toujours rester où il est là. Voilà, comme ça vous plaît, comme ça, il n'y a pas de problème, on va respecter ça. Il va toujours stagner là. Et puis, malgré vos boycotts, Arafat, lui, il va continuer à progresser. C'est ce qu'il est, hein? Voilà. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir. À comparer les deux artistes au niveau de leur carrière, on sait bien, on est d'accord que Didier Arafat est nettement devant De Bordeaux. Je dirais sur tous les plans. On sait que De Bordeaux chante bien, il a une superbe voix et tout. Mais carrière musicale, Arafat, il est rempli. Voilà. Bien vrai qu'on veut qu'il s'améliore sur certains points de son comportement et au niveau de sa carrière, pour qu'il aille au-delà de ce qu'il est déjà, il est nettement devant beaucoup nombre d'artistes. Moi, je pense que c'est nous les fans qui avons, je dirais pas tué des Bordeaux, mais qui avons freiné l'élan de l'essor de la carrière musicale de Bordeaux. Pourquoi je le dis? Vous savez, les vrais fans de Bordeaux vont vous dire, lorsque Didier Arafat passait ce temps à faire des musiques, des sons pour l'insulter, pour le clasher en vidéo dans des interviews, que de Bordeaux ne répondait pas, de Bordeaux n'avait même pas, et on va dire, ces 20 sons qu'il a maintenant, il n'avait que peut-être 3 ou 4 sons. Mais il était incontestablement le numéro 2 du coupé décalé. On va pas se mentir. Voilà, on dira que c'est le deuxième artiste coupé décalé le plus aimé. D'accord. Mais
au niveau de leur carrière musicale. Je ne pense même pas qu'ils soient peut-être même devant Che Guevara, en cas de dire la vérité. Je ne pense pas au niveau de leur carrière musicale. Parce qu'on a pensé que quand quelqu'un nous clash, ou bien quand quelqu'un nous boycotte, la meilleure réponse, c'est de le boycotter aussi. Vous avez vu où ça nous a amené? Actuellement, on a un coupé décalé bizarre. C'est comme si on marchait sur des braises. C'est comme un peu la situation de notre pays, là. C'est bizarre, on est là comme ça. Serge Benoît de son côté, qui devrait ramener sa petite carrière, à la fois lui dit il est dans le futur. Mola, bon, il organise des concerts de ceux qui peuvent organiser. C'est pas intéressant. C'est pathétique. Et c'est pourquoi? C'est à cause des gens d'agissement, là. Donc, force à déborder. Moi, personnellement, vous savez, si vous n'êtes pas ingrat, vous savez que moi, j'avais toute l'admiration pour vous. J'avais tout le respect pour vous. Mais comme vous avez montré que Jean, vous, c'est vous les super fans, c'est votre définition du fan qui est la meilleure, c'est pourquoi moi j'ai pris mes distances. Sinon, j'ai jamais dit votre mauvais nom nulle part. Mais vous le faites tout le temps sur votre page, je n'ai jamais parlé. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que c'est juste pour vous dire d'arrêter ça. Déjà que votre artiste, je ne vais pas dire votre l'artiste de Bordeaux, vous prend comme sa référence de fan, vous devez être irréprochable. Voilà, il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Parce que quand vous publiez une vidéo, c'est-à-dire comique comme ça, c'est pourquoi si vous moquez de DJ Arafat, mais lui il est loin. Lui au moins il a fait sortir un son, même si c'est pas chic, il a fait sortir un son. Mais l'artiste de Bordeaux, il a fait sortir quoi? Rien. Il faut se ressaisir, les amis. Il faut se ressaisir. Et arrêter ça. Voilà, en tout cas, moi je suis pas content de ça. Je suis vraiment pas content de ça. Et puis ne faites pas comme certains fans de DJ Arafat. Parce que si vous faites comme eux, il n'y a aucune différence entre vous et ces derniers-là. Voilà, j'espère que mon message est passé. Il faut encourager DJ Arafat, il faut encourager les artistes coupés décalés, les artistes de la Côte d'Ivoire. C'était Eric Thor, on est ensemble. Ciao, ciao.